C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme. Yo, salut les amis, comment ça va? Moi ça va super bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost les gars. Bon, pour moi j'ai toujours la patate pour vous faire une nouvelle vidéo les gars. Donc c'est une vidéo bilan comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo qui m'a été demandée par mes abonnés de faire un petit bilan sur le jeu Ghost, de savoir ce que j'ai pensé là-dessus. Donc on va attaquer tout de suite parce que les gars j'ai très peu de temps, j'ai juste le temps du gameplay. Donc vous allez voir, c'est un petit gameplay sniper, rien d'exceptionnel, mais juste pour vous montrer un petit peu ce qui conforme mes idées dans ce que je vais vous dire dans la vidéo. Donc tout d'abord on va commencer par le mode solo en campagne. Donc c'est un mode où j'ai vraiment pas beaucoup joué, j'ai dû avoir 2-3 heures de jeu dessus et j'ai vraiment apprécié de jouer sur ce jeu en mode campagne parce que les missions étaient diversifiées et puis c'était vraiment pas mal, l'histoire du chien, tout ça, la plongée sous-marine, tout ça, enfin bon bref, c'est pas un mode que je pourrais trop vous expliquer parce que j'ai pas passé beaucoup de temps. Passons tout de suite au mode extinction. Donc un mode extinction qui a relevé son défi d'essayer de remplacer le mode zombie. Pour moi, je me suis pas mal éclaté là-dessus. Franchement, c'était vraiment sympa. Alors, j'ai pu jouer au premier DLC de l'extinction où j'ai pu le finir en entier. Et les autres modes, bah après, c'est vrai que j'ai pas trop joué parce que Ghost m'a vite saoulé en fait. Donc, j'avais pas trop envie de réinsérer le jeu dans la console. Donc voilà, donc passons tout de suite au multijoueur. Donc nous allons attaquer par le côté réseau du jeu. Donc c'est un jeu où le réseau est très important, c'est-à-dire si vous n'avez pas une bonne connexion ou une connexion moyenne, vous allez être vite limité dans le jeu. Donc on nous avait promis à la base des serveurs dédiés, c'est-à-dire pour justement éviter ceux qui avaient une faible connexion, justement d'éviter d'avoir des lags, d'avoir des retards, d'être obligé de vider un chargeur sur un bonhomme pour le tuer. Et au final, nous avons quoi? Des serveurs hybrides. Alors, des serveurs hybrides, c'est quoi? Vite fait. Donc, c'est des serveurs où, justement, la personne qui a la meilleure co sera l'hôte de la partie, ce qui lui permettra, justement, de donner un peu sa connexion aux autres et de pouvoir, lui, avoir au moins une bonne connexion pendant la partie. Donc, voilà. Donc, on va passer tout de suite à la santé. Donc, la santé qui est un gros point faible sur le jeu. Parce que on vient de Black Ops 2 où justement la santé était assez moyenne et c'était plutôt pas mal pour pouvoir s'éclater dans ce petit jeu. Et là vous pouvez le voir dans ce petit gameplay que la santé est très minime. Donc c'est-à-dire une ou deux balles, on meurt tout de suite. Donc c'est vraiment trop abusé, c'est pour ça que pas mal de personnes jouent à la grenade. Tout ce qui est explosif, à l'EI, tout ça, donc vraiment des trucs pour les noobs. Donc tout de suite on va passer aux armes. Donc les armes ont été vachement diversifiées, c'était vraiment pas mal dans l'ensemble, sauf que pour moi il y a vraiment trois armes qui ressortaient du lot. Donc c'était des armes de fusil d'assaut. Donc pour moi c'était la Honey Badger, la Remington et la K12. C'était vraiment pour moi des armes entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, cheatées. C'est les armes qu'on retrouve dans le multi où tout le monde joue avec parce que en une ou deux balles vous pouvez tuer facilement l'adversaire. Ce qui a été dommage parce qu'avant moi j'aimais bien jouer quand même dans Black Ops 2, c'était au fusil à pompe. Et les fusils à pompe ont été laissés de côté parce que les cartes comme vous pouvez le voir dans cette vidéo sont beaucoup trop grandes. Donc voilà, on va passer à un autre point, c'est la création de classe. Donc moi je trouve que cette petite nouveauté de sélectionner tous les atouts d'une même liste, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne réussite. Par contre, effectivement, ils n'ont pas pensé à ce que les joueurs allaient en faire. C'est-à-dire qu'avant, dans MW3 ou les anciens Call of, on devait sélectionner justement des atouts par catégorie.
On pouvait pas en prendre plusieurs dans la même catégorie. On pouvait en prendre maximum deux. Tandis que là, on peut sélectionner, par exemple, dans la toux rouge. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de la liste, mais on peut prendre les cinq du haut. Voilà, tout simplement. Donc le souci de ça, c'est que pas mal de gens ont fait des classes entre guillemets de putes et qui font qui rendent le jeu assez compliqué à jouer. Donc ça, c'est vraiment un atout qui est plutôt un avantage et aussi un inconvénient. Et dans les atouts, quelque chose qui est apparu, donc c'est l'atout écoute. Donc c'est-à-dire que ceux qui jouent avec un casque sont vachement avantagés sur ceux qui jouent pas avec un casque parce que c'est un jeu qui se joue au son. C'est-à-dire que si vous mettez l'atout dans votre classe, vous allez entendre les ennemis arriver de droite à gauche, en face, enfin derrière. Enfin, c'est vraiment un atout super, surtout si vous voulez faire des tentatives KEM. C'est vraiment une bonne innovation. Donc voilà, je voulais vous parler maintenant des DLC. Alors, les DLC, deux points. Je voulais aborder le premier point, c'est-à-dire que sur les maps gratuites, franchement, ils ont vraiment exagéré. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait un remake d'une carte. Donc les mecs, ils sont pas cassés le cul. Franchement, on a déboursé 50 euros pour se payer ça, et au final, on n'avait que 3 nouveautés sur 4. Et c'est pareil sur Black Ops 2, ou sur les autres, on n'avait pas de remake, pas de machin, donc. Franchement, là, ils exagèrent pour un jeu qui coûte assez cher à la base, plus le Season Pass, on atteint facilement 110 euros. Donc, je pense que déjà là-dessus, ils ont pas mal abusé. Après, en ce qui concerne les armes qu'ils offraient, bah pareil, pour moi, j'ai pas trop été satisfait parce que la Maverick, au début, elle est sortie, tout le monde joue avec, puis maintenant, plus personne joue avec parce que. C'est vraiment une arme de merde. Après, vous avez la Reaper. Franchement, c'est la seule arme que j'apprécie beaucoup parce que autant fusil d'assaut que mitraillette, c'est une très bonne arme. Assez polyvalente, avec pas mal de munitions. C'est vraiment le top du top. Et enfin, au dernier DLC, ils ont sorti, donc je parle du DLC du mois de juin, ils ont sorti le couteau en or pour ceux qui étaient Prestige Max avec l'espèce de petit pistolet qui est maintenant plus à 3 coups mais qui est mitraillette. Enfin, je veux dire. C'est super, donc non, non, mais continuez les gars, vous êtes sur la bonne lancée. Donc pour conclure là-dessus, je pense que le prochain Call of, donc le Advanced Warfare, je pense vous faire une vidéo là-dessus. Parce que pareil, bah, on m'a demandé de faire comme les autres youtubeurs, de faire une vidéo sur le prochain Call of, de mettre un petit gameplay et de dire ce que j'en pense. Donc je compte le faire un peu plus tard. Donc pour conclure là-dessus, les gars, je pense que le jeu a été loupé. C'est vraiment un gros problème, surtout que Battlefield monte en force comparé à Call of. Donc j'espère du fond du cœur que le prochain Call of va pouvoir remonter le niveau. Mais d'après les gameplays que j'ai pu voir, franchement, il a l'air d'être super. On retrouve vraiment l'ambiance Black Ops 2 qu'on aime tant. Le rush, le killstreak, enfin, c'est vraiment un superbe jeu qu'il faut remettre au goût du jour. Et je pense que dans Modern Warfare, on va pouvoir se retrouver là-dedans. Donc avant de vous quitter, je voulais vous faire part de la création de ma team au mois de mai. Donc c'est une team que j'ai créée pour les guerres de clans sur ce jeu. Donc je voulais leur faire un gros big up. On est environ 20 membres et on a gagné environ une dizaine de guerres de clans. Tout en sachant qu'on n'en a perdu aucune. Tout en sachant que au bout de 3 guerres de grand platine, on est passé diamant. Tout en sachant qu'il y avait des vacances, les petites histoires entre nous, on a résisté, on a gardé le cap, et donc ça fait super plaisir. Et c'est pour ça que je compte recréer une nouvelle team sur le jeu, le prochain Call of. Et j'espère que beaucoup de membres vont me suivre, parce que ça me fera super plaisir. Donc les gars, je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye! Ça me saoule, mais bon, c'est pas grave. Communication. Ah bah non, ils m'ont encore eu. On est en train de perdre. Ah, là, il était en mouvement. Communication satellite ennemie détectée. Peut-être qu'il allait à son endroit de camp.
hitmarker là-dedans, voilà. Alors eux en train de camper, ils font pas de hitmarker, regardez, encore un. Donc là, on en est au cinquième kill où je meurs bah bêtement. Comme ça, voilà, tiens. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ça c'est fait, c'est dit. Pour aller camper chez sa mère, cet enculé. Je pense qu'on pourra faire un petit ralenti sur ça parce que j'ai tué le mec et en même temps le mec a tué mon ennemi. Mon allié, pardon.